bonjour à toutes et à tous. Vous comprenez que le moment est assez impressionnant, puisque vous découvrez pour la première fois la rénovation du Château Laurent, qui est extraordinaire. Hein. On n'en dévoilera pas la totalité, parce qu'on doit ouvrir ses portes officiellement en juin 2023. Je veux saluer, bien entendu, la vice-présidente de la région, Claire Fita, en charge de la culture. Et merci beaucoup d'être parmi nous, d'abord parce que la région est aux côtés de ce projet de Montpellier Capitale Culturelle 2028, mais aussi parce que la région a participé à la rénovation de ce magnifique édifice dans lequel nous nous trouvons. Cher Michael Delafosse, donc maire de Montpellier, c'est la première fois, et oui, c'est la première fois qu'un maire de Montpellier vient en sa qualité ici à Agde, et j'en suis ravi, pourtant Montpellier n'est pas si loin que ça. C'est pour vous dire à quel point cette équipe que nous constituons les uns les autres, et je vais continuer bien sûr, est importante dans le projet que nous allons vous développer. Cher Jean-François Soto, maire de Gignac, et président de la communauté des communes Cœur d'Hérault, voilà, qui est, vous le voyez ici, nous sommes à l'embouchure de l'Hérault, hein, mais l'Hérault remonte loin, et Jean-François en surveille une partie. Et je salue bien sûr les élus de la ville de Sète, puisque le maire n'a pas pu être parmi nous aujourd'hui, mais Sète Agglopole Méditerranée, bien entendu, font partie de cette team, hein, de cette équipe, qui porte ce magnifique projet culturel. Et pourquoi nous avons voulu vous réunir ici? D'abord parce que, pour vous rappeler à quel point la culture est importante dans nos politiques, hein, nous sommes un rassemblement, j'ai presque envie de dire, excusez-moi messieurs, dames, très gaullien, hein, dans lequel nous nous retrouvons, parce que la culture, tout simplement, d'abord est force d'identité, et je pense que dans une ville comme Agde, qui a 2500 ans d'histoire, même si le château Laurent a été édifié en 1900, c'est un facteur important d'identité où tous nos habitants aiment à se retrouver, aiment aussi à se passionner, et la culture est également une force d'attractivité. Voilà. Et ici, à Agde et Cap d'Agde, plus grande station balnéaire de France, on sait ce que ça veut dire. Et donc aujourd'hui, justement, en accent ces politiques sur la culture et sur la rénovation de ce patrimoine exceptionnel, c'est aussi pour nous une manière de dire que nous voulons nous inscrire dans cette politique culturelle héraultaise que porte, bien sûr, la métropole et notre capitale départementale, Montpellier. Pour nous, c'est un vrai bonheur, Michael, que de t'accueillir aujourd'hui ici. Et puis j'ai presque envie de dire que la culture aussi va nous aider à sortir aussi ces quartiers en difficulté, puisqu'ici nous sommes dans un QPV, quartier prioritaire de la ville, hein, du centre-ville d'Agde. Eh bien, nous avons mis dans notre dossier, c'est pour ça que d'ailleurs la DRAC, hein, et donc l'État, nous soutient fondamentalement sur ce projet-là. Eh bien, c'est un facteur aussi pour créer de l'emploi, créer aussi de l'activité. Et donc la culture est un facteur un peu de renaissance également de ces quartiers qui cumulent, on le sait, beaucoup de problèmes sociaux. Très cher Gilles, merci de tes mots, de ton accueil. Je reviendrai sur la présentation des espaces, mais c'est vrai que c'est la première fois, visiblement, que le maire de Montpellier est aux côtés du maire d'Agde à Agde. Et c'est en soi, pour certains, on le relèvera comme une anecdote, mais c'est un symbole fort de la démarche que nous avons engagée avec, et on y va, ici les élus de Sète que je veux saluer, sur le maire de Gignac et de sa communauté de communes, cher Jean-François, avec le soutien très puissant, très affirmé de la présidente de région, Carole Delga, avec Claire Fita, qui est à nos côtés, ainsi que le département autour de cette incroyable ambition qui est la nôtre autour de la culture. Et parler de culture à Agde et de rappeler les racines grecques de la cité et nous rappeler que la civilisation grecque fut berceau de nos valeurs, ce fut le lieu d'invention du théâtre, d'expression de l'architecture et de tant d'autres chances, et que dans la dimension européenne, la Grèce a joué un rôle. Et ici, cher Gilles, c'est très fort. Et puis dans ce lieu d'exception, je veux le dire, parce que si vous êtes déjà venu, peut-être que les sentiments se sont un peu estompés, mais c'est très impressionnant. C'est très impressionnant. Voilà, c'est un patrimoine et c'est un choix politique très fort, monsieur le maire, je veux le dire.
voilà, ce lieu était peut-être fermé, et d'avoir dit, voilà, on va le réhabiliter, on va l'ouvrir aux Agathois, bien sûr, mais à tous ceux de l'extérieur. Et alors, franchement, voilà, c'est un choc, voilà, je le dis au sens patrimonial, voilà, et ces traces dans l'histoire, il faut savoir en prendre soin, et elles disent beaucoup de choses. Enfin bon, allez, je ne repars pas, parce qu'il y a des gens beaucoup plus doctes, et merci de l'accueil qui nous a été fait, mais voilà, du rapport au monde qui pouvait exister en ce début de XXe siècle, dont ce patrimoine témoigne. Nous sommes là pour aussi supporter, soutenir une excellente candidature dans laquelle nous portons beaucoup d'espoir. Au nom de la région Occitanie, bien évidemment que nous souhaitions être à vos côtés. Je vous prie de bien vouloir excuser ma présidente Carole Delga, qui ne pouvait pas être présente aujourd'hui, mais croyez bien qu'elle le regrette. Elle le regrette, parce qu'elle me parle du Château Laurent depuis quand même un sacré beaucoup de temps. Et je suis arrivée en avance d'ailleurs, moi, parce que je me suis dit, peut-être que j'aurai la chance d'en découvrir un peu plus que les autres. Non, pas de chance. J'attendrai, comme vous, l'ouverture ensuite, en 2023, pour avoir voilà, ce bel horizon. Très rapidement, mais vous dire tout l'attachement de la région Occitanie et toute l'ambition que nous partageons avec le collectif que vous êtes pour cette candidature. Et tout simplement parce que, eh bien, cette candidature, elle s'inscrit tout à fait dans notre dynamique régionale, notre volonté d'agir et notre volonté d'unir. Voilà, l'action par la preuve, comme tu le disais, Michaël, de nombreuses preuves, autant en termes d'énergie, mais aussi de projets concrets, de moyens. Ça a été évoqué, et bien entendu que la région, très vite, va apporter son soutien à l'association dans les actions qu'elle mène. Et cette union, voilà, unir un territoire très large, très vaste pour une candidature capitale européenne de la culture, et véritablement une gouvernance aussi exemplaire, une construction de projets qui pour nous, région Occitanie, eh bien, est un exemple de démarche collective pour mettre aussi la culture au cœur d'un projet politique pour relier les territoires et les habitantes et les habitants, quels que soient les territoires, une métropole bien entendu, mais aussi un territoire littoral, plus rural, que ce soit dans son centre-ville, que ce soit dans ses quartiers, cette diversité, eh bien, ça se pense, ça se construit et ça se co-construit, y compris avec les acteurs culturels. Donc, bien entendu, quel plaisir d'être avec vous aujourd'hui, et puis surtout, d'en découvrir à chaque fois, parce qu'on me met en haleine, moi, on me dit, bon, alors non, attends, c'est dans 15 jours que tu sauras exactement les projets qui vont être... Bon, mais c'est très bien, vous teasez parfaitement, donc c'est pour ça que nous reviendrons aussi systématiquement, et surtout que nous porterons avec vous cette formidable candidature, donc pleine d'énergie et, je ne doute pas, beaucoup de réussite. Merci beaucoup.